Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc au final, après une séance très hésitante et très peu volatile, eh bien le CAC 40 ici est venu ouvrir au-delà de la résistance, l'ancienne résistance des 5175 points, a marqué une bougie d'hésitation pour clôturer sans tendance, hein, puisqu'en clôturant à 5196.11, eh bien le CAC 40 clôture à l'équilibre, hein, par rapport à hier. Hier en clôture, nous avions 5195.95, nous avons 5196.11 aujourd'hui, ce qui fait une variation arrondie à 0%, donc en très 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 légère hausse par rapport à la clôture de la séance précédente. Au-delà du chiffre donc et de la neutralité du résultat, ce que l'on peut surtout considérer, c'est que nous avons donc un point bas qui s'est inscrit au-dessus de la zone des 5175 points et que nous avons un nouveau plus haut significatif en séance. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est très hésitante. Sur le MACD, on n'a pas arrêté d'osciller ici entre une évolution haussière et baissière. Ça repasse à la baisse pour aujourd'hui, mais le RSI, quant à lui, se maintient en zone de surachat. Alors malgré tout, même si le MACD ici semble très hésitant, il se situe dans la partie supérieure de sa zone d'évolution, ce qui dénote quand même d'une préférence plutôt haussière sur cet indicateur. Alors, les volumes, par contre, sont légèrement supérieurs à la moyenne. Par rapport à la bougie d'hésitation que nous avons, attention, cela peut signifier que nous avons eu énormément d'arbitrage sur cette séance et que l'on pourrait se retourner à partir de demain. Donc, il n'y a pas un énorme changement par rapport à la séance précédente. On a une alternance ici de dynamique et d'hésitation. Les dynamiques nous permettent ici des franchissements de zones significatives et on se stabilise juste au-dessus de celle-ci. C'est comme ça que le CAC évolue depuis maintenant quelques temps. Donc on reste ici dans un flux plutôt haussier, largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Les résistances se transforment en support et nous avons toujours ici un objectif de retour sur la zone des 5248 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Et donc pour demain, eh bien c'est une rupture des 5175 qui pourrait donner un signal d'invalidation de la poursuite avec risque de consolidation en direction des 5052 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue un peu plus statistique, nous avons une probabilité plutôt baissière pour la séance de demain à partir du niveau d'ouverture, puisqu'effectivement cette probabilité est quantifiée à 57%, donc d'avoir une séance baissière à partir du niveau d'ouverture pour demain. Voilà donc pour cette analyse et pour cette séance. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une journée assez chargée et un trading live à partir de 14h. Bonne soirée et à demain, toujours sur le site boursicoté.com.